Je m'appelle Kenji Grillon, j'ai 26 ans, je suis né à Bobigny, j'ai grandi à Bobigny. Je suis double champion du monde de karaté, champion d'Europe de karaté, champion de France de karaté. Là, mon gros objectif cette saison, c'est d'être champion d'Europe à Montpellier du 5 au 8 mai. Et l'objectif à long terme, c'est d'être champion olympique. On sera si le karaté est olympique en août 2016. Et j'espère bien être champion olympique pour les Jeux olympiques à Tokyo en 2020. Donc voilà, depuis 2 ans avec mon père, on a ouvert une association à Bobigny de karaté. Et je trouvais que c'était important parce que souvent les talents ils partent à Bobigny et ne reviennent pas. Et je trouvais que c'était bien de voilà, aider les jeunes parce qu'ici il y a vraiment un gros potentiel. Et j'espère qu'on va amener les plus jeunes au plus haut niveau, voire des titres de champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Et voilà, c'est une ville assez dynamique. Assez jeune, voilà, mal trop, moi j'ai grandi ici, il n'y a jamais de problème. Voilà, il y a un mélange des cultures superbe quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et ça passe par, par nous, par ceux qui ont réussi, on va dire, les sportifs, les artistes, même dans les études. Je pense que c'est important de montrer une belle image de cette ville.